Bon Dieu béni ou même cap côté nous dans Delaware ou bien n'a pas côté nous dans États-Unis ou bien côté nous en Haïti ou côté nous en France Canada parce que nous gagne en pile amis qui abonné ensemble avec nous ça qui Canada ça qui en France ça qui Haïti ça qui site aux États-Unis nous bénissons bon Dieu parce que il ba nous opportunité une fois encore pour nous présenter une nouvelle vidéo. Bienvenue avec tout le monde qui déjà a regardé vidéo, qui déjà averti de vidéo. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très très important pour un sujet peut-être tout à prendre, un sujet qui est important, un sujet que vous avez besoin. Et bien, sujet ça, c'est ça nous relie, c'est ça la Bible relie dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 6, Apocalypse chapitre 2, verset 16, verset 15, il parlait de ça où il est les œuvres des Nicolaïtes ou bien la doctrine des Nicolaïtes. Alors, sujet, c'est la doctrine ou les œuvres des Nicolaïtes. C'est de ça que nous allons parler, les œuvres des Nicolaïtes. Nous allons parler de ça, Jésus-Christ lui-même. Lirele la doctrine de Nicolaïte. Nous connaissons pile le monde qui a besoin qu'on ait qui ça Nicolaïte là, qui ça doctrine Nicolaïte là, qui ça qui œuvre, qui ça qui œuvre Nicolaïte là. Il y a pile le monde qui lit Apocalypse là, qui lit chapitre 2 là, qui lit message à Éphèse et message à Pergame. Côté en Éphèse, Jésus dit. Et une des choses que le remet, une des choses que il fait ce gain qui bon la cali, c'est que il raillit Zev Nicolaïte là, Zev Nicolaïte, et il parlait avec l'église Pergame côté il dit ça lien contre l'église Pergame, c'est parce que l'église Pergame il y a des personnes qui attachées avec les qui a pas appliqué les œuvres de la doctrine de Nicolaïte. Eh bien, je dis à nous besoin de mettre l'Église Christ là au courant de qui ça qui œuvre, qui ça qui doctrine Nicolaïte là. Et nous souhaiter selon vidéo ça, ou bien à partir de vidéo ça, ou bien une connaissance claire de ça Jésus qui relie doctrine Nicolaïte là, ou bien les œuvres de Nicolaïte. Que bon Dieu va bénir, nous demandons autant prix pour partager vidéo ça. Voyez by tous les amis, voyez by leader l'église, voyez by prédicateur, by diacre, by évangéliste, by apôtre, by pasteur, by prophète, voyez by d'autres membres de l'église là. Et puis conservez vidéo ça pour tête ou gardez le plusieurs fois parce que l'on lit un livre ou bien on garde une vidéo ou tant de lieux seule fois ou pas recevoir exactement toute formation, toute connaissance qu'il a donne, toute impression qu'il gagne, mais l'on tendez le plusieurs fois ou lire 2, 3, 4 fois, ça permet ou ou garder nous ça permet ou kembe ou importance ou bien ou recevoir révélation qui gagne dans formation bien dans vidéo qui est dédié à vous et que bon Dieu bénisse et garde vidéo ça pas déplacer pas long qu'un côté restez là pour tendre vidéo les pas long son vidéo qui pas grand pile en pile mégabyte son vidéo qu'on peut télécharger mettre sur téléphone nous pour écouter sur machine nous pour écouter la caillou pour écouter dans téléphone nous dans iPhone nous dans casque dans oreille pour écouter de temps en temps pour qu'à au courant les œuvres de Nicolaïte la doctrine de Nicolaïte c'est qui ça lié qui Jean ou même ou qu'a fait ou qu'a retiré tête dans doctrine Nicolaïte là comment ou même ou ka opposé à doctrine Nicolaïte là comment ou même ou ka comme te ka dit ça découvrir ou bien et mettre au clair doctrine Nicolaïte là comment ou même ou ka reconnaître li l'arrivée du vent comment ou ka reconnaître li mais garder tête toujours dire est-ce qu'on pas la donne est-ce que l'église ou pas la donne est-ce que femme ou pas la donne est-ce que zanmou pas la donne que bon Dieu va bénir ou que bon Dieu va révéler, révolter l'esprit ou dans le changement que cet esprit besoin faire dans la vie ou là, pour le mener au plus près, bon Dieu, et que formation ça va un moyen que cet esprit utilise pour le mener au plus près, bon Dieu, pour le changer la vie ou. Que bon Dieu va bénir.
Bienvenue à nouveau, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et je dis encore, nous avons introduit ça, Jésus-Christ, les œuvres ou la doctrine des Nicolaïtes. Ok? Nous connaissons un besoin, qu'on est qui ça, Nicolaïtes là, qui ça, œuvres Nicolaïtes là. Et bien, vidéo ça, libre à le mettre au clair. Doctrine, réflexion qui chita sous les Nicolaïtes. Qui est Nicolaïte yoye? Qui ça yo tap enseigné ou yo tap pratiqué que Jésus-Christ te raï? OK, que Jésus-Christ te opposé avec lui? Et est-ce que œuvre ça toujours dans l'église jodia? Est-ce comment nous ka identifier, comment nous ka wè yo, comment nous ka identifier doctrine ça, œuvre ça yo, comment nous ka wè la agi dans l'église jodia? OK, c'est de là nous pral parler. Quand la première ça nous pral développer avant, c'est qui ça qui Nico, qui est-ce qui Nicolaïte là? Qui est Nicolaïte là? Qui ça Nicolaïte là? C'est ça nous pral développer là dans premier point. Premier bagage pour comprendre et thème Nicolaïte là signifie les disciples de Nicolas. C'est ça thème Nicolaïte là signifie les disciples de Nicolas. OK? Et ça veut dire les Nicolaïtes, ce sont des personnes qui t'a appliqué une série de doctrines Nicolas t'a enseigné. Nicolas t'a mité ou t'a enseigné. Et ou bien ce sont des personnes qui t'a fait même bagaille avec Nicolas. Qui t'a œuvré même gens avec Nicolas. Zevio c'était Zev Nicolas. Fonction, c'était fonction Nicolas, Jean ou t'as pas agi, t'es lié avec Jean Nicolas, t'as pas agi. Ça veut dire Nicolas t'a enseigné en série de bagailles, Nicolas t'a agi en série de façons, t'a œuvré en série de façons dans l'église, et puis, il y a un paquet de monde qui t'a suivi, il y a un paquet de monde qui t'a marché avec, qui t'a marché derrière elle. Bible a relié les Nicolaïtes, ça veut dire des monde qui t'a pratiqué les œuvres de Nicolas. Ou bien des monde qui t'ai adhéré à doctrine Nicolas. Yo te rele moun sa o les Nicolaïtes. Mais c'est qui est Nicolaï? Dans la Bible, nous pa wè non ça en pile côté. C'est parce que seul côté moi wè alors deux côtés, mais premier côté moi non Nicolas, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 6. Dans Actes des Apôtres chapitre 6, c'est côté les hellénistes y ont été plaignés par rapport avec veuve qui était négligé, y ont plaint contre hébreux, les hébreux et veuve négligé dans distribution qui t'a faite pour mon manger, pour te servir mon pour te aider auprès de nourriture dans cadre l'église Jérusalem. Et puis disciples y ont mis tête ensemble, y ont dit que y ont réuni disciples, apôtres y ont réuni disciples. Et puis dans réunion ça, yo dit que li pas bon pour nous ta nous-mêmes al mettre rentrer dans cadre séparé manger, dans cadre activité sociale, dans cadre activité veuve, activité orphelin etc. Li ta pi bon pour nous ta établi dans l'église là des diacres. OK? Nous ta établi des diacres. Mais n'est pas nous et sept monde, sept nèg que nous connaît qui c'est des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Des mondes qui ont bon témoignage et puis nous qu'a établi pour faire travailler ça et puis nous même n'a occupé nous dans le ministère de la parole de la prédication parole ça t'est plaît ensemble avec disciples et puis t'es mené sept diacres ba yo parmi yo yon diacre qui t'est les Nicolas qui t'est yon prosélyte prosélyte ça signifie yon païen qui t'est venu converti dans l'église ça veut dire c'était un païen, il n'est pas ton juif, mais il était un païen qui vient convertir dans l'église, il était les mondes à opposer. OK? Avait dit ce n'était pas des juifs, ce n'était pas des hébreux, mais c'était un païen. Il vient convertir dans l'église, peut-être un grec, peut-être un romain. OK? Mais c'était un prosélyte. Il vient convertir dans l'église. C'était monsieur ça était les Nicolas. OK? Et Bible a dit critère yo te choisi nèg yo, c'est nèg yo te gen bon témoignage. Deuxièmement, yo te rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, yo te rempli de sagesse. Ça veut dire pas qu'on moyen
pour nous ta établi Nicolas ça pour nous ta dit c'est lui-même qui t'a enseigné des mauvaises doctrines à l'église ou bien c'était lui-même qui t'a fonctionné mal jusqu'à ce que bon Jésus-Christ lui porte des messages pour lui condamner Zeuve Nicolaïte. On dit que premièrement c'était des Nicolas ça était un homme qui te gen bon témoignage. Là on dit bon témoignage dans la Bible, ça veut dire il était gen bon témoignage dans fonctionnement, il était gen bon témoignage dans elle t'a pas agi. Ça veut dire il était gen bon témoignage dans ville, ça veut dire c'est pas ton qui était dans des madame, c'est pas ton qui était dans coucher plusieurs filles, c'est pas ton qui était dans voler, c'est pas ton qui t'a enseigné fausse doctrine tout. Il pas t'a jamais ton nèg dans diacre dans l'église Jérusalem qui t'a enseigné fausse doctrine. Deuxièmement, Nicolas ça t'est rempli du Saint-Esprit. Il t'est rempli de sagesse. C'est sa Bible dit parce que c'était raison pour te mettre yo, pour te mettre diacre yo, pour te mettre monsieur diacre responsable après apôtre yo. OK, ça veut dire nous pas capable même Jean Irénée te fait même Jean plusieurs anciens pères de l'église dans premier siècle ou bien dans deuxième siècle te fait était appliqué les œuvres Nicolaïtes, les Nicolaïtes comme des disciples de ce diacre Nicolas. Non, c'est faux. Il n'est pas accurate, il n'est pas réel, il n'est pas chita soigné. Non, pas écarté possibilité pour le temps en vérité, mais c'est à 1% ou 2%, mais à 98%, il n'est pas exactement Nicolas, parce que la Bible n'a pas confirmé, la Bible n'a pas justifié, il n'est pas exactement Nicolas qui était apôtre. Excusez-moi, qui était diacre dans l'église de Jérusalem. Nicolas, ça, qui était diacre dans l'église de Jérusalem, non, il était un homme qui était un bon témoignage devant apôtre et devant tout disciple. Deuxièmement, il était un homme qui était rempli du Saint-Esprit devant apôtre devant tout disciple. Il était un homme qui était rempli de sagesse. Ça veut dire, nous pas qu'à dire, on est qui était rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, qui était bon témoignage, c'est lui-même qui t'a baillé des fausses doctrines. Nous pas qu'à expliquer ça. Nous pas qu'à mettre lien entre Nicolas ça et les Nicolaïtes. Mais on a exactement gardé et peut-être c'était un autre Nicolas qui était dans l'église dans l'époque ça tout. OK, on a gardé que ça mot Nicolas lui dit de la parole de Dieu. Mais qu'il y a là le mot Nicolas. Il sorti dans un mot grec qui veut dire Nicolaos. Il y a deux termes là-dedans. Il y a Nike qui veut dire victoire, succès. Il y a Laos qui veut dire peuple, qui veut dire homme, humain ou bien la chair. OK? Ça veut dire le mot Nicolas est comme s'il veut dire victoire du peuple. Le peuple est victorieux. Ou bien il veut dire la chair a du succès. C'est ça le mot Nicolas veut dire. La chair a du succès. Ou bien le peuple est victorieux, ou bien l'homme est suffisant. L'homme est suffisant. L'homme peut faire. L'homme peut agir. OK? C'est ça mot Nicolas, il veut dire. Il veut dire la chair capable. Mon Nicolas, ça veut dire la chair capable. La chair pour tes victoires. La chair réussit. La chair succède. OK? La chair a eu du succès. C'est ça Nicolas veut dire. Ça veut dire non mot Nicolas même le contraire à la parole de Dieu. Le mot Nicolas le contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire comment la chair peut avoir du succès pendant que la Bible a condamné la chair. Dans Romains chapitre 8 verset 3, il dit Dieu a condamné le péché de la chair. OK? Jésus-Christ lui-même lui dit la chair ne sert de rien. C'est ça Jésus-Christ dit. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair de dans même Jean chapitre 6, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans même et pendant que j'étais à Jérusalem, dans Gethsémané, pendant que j'étais dans Gethsémané, il tape monsieur t'a dormi. Il dit monsieur, nous pas dormi monsieur. Il dit OK, me reconnaître la chair est faible. OK, la chair est faible. OK, ça veut dire la chair de faiblesse n'est pas qu'à succès, pas qu'à gagner succès dans l'évangile. La chair pas qu'à porter victoire dans la parole de Dieu. La chair pas qu'à réussir, la chair pas qu'à victorieux. L'homme est charnel, l'homme
ok, est limité dans le temps et l'espace, l'homme ne peut pas, ok, résister de suivre les directives du Saint-Esprit, résister de suivre les directives de Dieu. L'homme pas qu'à décider pour le réussir, pour le justifier tête li, pour le sanctifier par propre tête li, ok, li pas capable, la chair pas qu'à sanctifier tête li, la chair pas capable de servir bon Dieu, la chair pas qu'à gagner succès devant l'Éternel, la chair pas qu'à réussir devant l'Éternel. Non, Bible a dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Même dans relation Jésus-Christ, dans conversation Jésus-Christ ensemble avec Nicodème dans Matthieu chapitre 3, Jésus-Christ parle à Nicodème très bien, il dit Nicodème la chair, il dit la Nicodème et ce qui est chair, mais ce qui est esprit. L'homme spirituel n'est pas un homme charnel. Apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, il a parlé de ça tout, d'expliquer que la chair est condamnée devant mon Dieu. La chair n'est pas capable. Dans Romains chapitre 5, dans Romains chapitre 6, dans Romains chapitre 7, tout, après de l'expliquer, la chair vouée à la mort. Il dit seul ça la chair gagne, c'est crucifier la chair. Et la parole de Dieu dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Tandis que maintenant, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais pourtant, le terme Nicolas, il signifie la chair est victorieuse. La chair a réussi. L'homme est suffisant. L'homme est capable. C'est que l'homme est en mesure maintenant de rebeller contre cet esprit, d'opposer okay, contre Dieu, parce que l'homme pense pouvoir capable de faire les choses par lui-même. Okay? De se sanctifier par lui-même, de se justifier par lui-même, ou bien de vivre et selon son bon plaisir pendant qu'il pensait que les cas des hommes de Dieu par la chair. Ça n'a pas dit là, li genyen yon lien direct ensemble avec yon monsieur de la Bible qui était le Nimrod. Nous songeons Nimrod avec le tour de Babel. Le mot Nimrod li signifie rebelle. Li signifie possibilité de résister contre l'Éternel, contre la parole de Dieu. C'est ça le mot Nimrod signifie. C'est que nous avons lien. Regardez le lien qui existait entre le mot Nimrod et le mot Nicolas. Le mot Nicolas prouvait que la chair a du succès, l'homme peut succéder sans l'Éternel, et Nimrod signifie rebeller à l'Éternel parce que on peut faire, l'homme est capable. C'est que c'est le grand rebelle devant l'Éternel. C'est le mot Nimrod. Ça veut dire Nimrod et Nicolas, c'était même bagaille. Ça veut dire c'est même doctrine, c'est même enseignement. Qu'on a premier bagage pour garder qui ça Nimrod fait. Avant nous bailler définition terme Nicolas, on garder doctrine Nimrod là. Doctrine Nimrod là, lui qui c'est un grand rebelle devant l'Éternel qui dit que il est capable parce que qui ça Nimrod de quoi? Nimrod après le déluge, Nimrod réuni qui était un grand roi. Nimrod réuni toutes disciples, toutes les grands généraux qui étaient ensemble avec lui, en presque le monde entier, tout le monde qui était résisté, qui était vivre après le déluge, Nimrod réuni ensemble avec mon Dieu, lui dit, pas oublier ça, bon Dieu, ça fait nous là, ça détruit la terre. Bon Dieu décide pour le faire salver et nous pas qu'à quitter bon Dieu faire bagarre comme ça encore. C'est-à-dire nous pas d'accord pour mon Dieu décider de détruire la terre et puis pour nous détruire. Nous qu'à résister devant l'Éternel, nous capables tout, nous sommes des humains, nous avons connaissance, nous avons compétence, nous avons capacité, nous capables résister, nous capables faire des arrangements, l'aile besoin juger la terre et puis l'aile garder pour l'ouest, nous pas sous la terre nous-mêmes. Ou bien une autre chose que nous pourrions faire, li pa ba nou possibilité pour nous atteindre le ciel, mais nous pourrions construire tout qui pourrait arriver dans le ciel. C'est que n'a pas atteindre le ciel sans bon Dieu. N'a pas atteindre le spirituel, n'a pas atteindre le spirituel par des moyens charnels. C'est que nous pas besoin de cet esprit pour nous arriver dans le ciel, nous qu'à utiliser propre moyens pas nous pour nous arriver dans le ciel. Ça c'était la doctrine de Nimrod. La doctrine de Nimrod, c'est être capable d'atteindre le spirituel par le charnel. C'est être capable d'élever la chair au niveau de la sainteté. C'est être capable d'atteindre le céleste par le terrestre.
Ça, c'est la doctrine de Nimrod. C'était en mesure pour atteindre le niveau spirituel par des moyens charnels. Ok? C'est que par des compétences humaines, Nimrod te croit que le cas atteindre Dieu. Le cas atteindre Dieu par des moyens humains. Le cas atteindre le spirituel par des moyens l'homme. Ça, c'était la doctrine de Nimrod. Le mot Nimrod même, c'est ça le signifie. Et c'est action, ça, Nimrod t'a fait. C'est construire tout. Et puis avec tout ça, pour atteindre le ciel. Ça que bon Dieu, pas qu'à faire ça le besoin faire, bloquer le plan de Dieu. Ça veut dire bon Dieu, pas qu'à atteindre le plan, pas qu'à réaliser le plan parce que l'homme bloqué. Ok, c'est ça, Nimrod t'es quoi dans la tête. Et c'était raison fait, bon Dieu, de changer l'angle l'homme. Pour l'homme, pas en mesure pour te communiquer une à l'autre dans l'unité démoniaque, dans l'unité charnelle que vous avez gagné, hein, qui pensait que vous avez atteint le céleste par le terrestre. Bon, pas bon qu'un tour n'est que tu as fait pour arriver dans le ciel, vrai, monsieur. On nous dit que pas bon qu'un tour qui on a été fait pour arriver dans la lune. C'est que un des moutons escalier arrive dans la lune. Même jodi dans la grande technologie du 21e siècle, pas gain aucun moyen pour yo utiliser un mur, un bridge, un pont ou bien un escalier pour arriver dans la lune. Pas gain aucun moyen ça. Nèg utiliser l'autre moyen, navette pour arriver dans la lune. Et jusqu'où il y a, il n'y a pas jamais qu'à arriver dans l'étoile. Ça veut dire pas bon que moi, bon Dieu, pas de quoi que nous avons arrivé vrai dans le ciel. Là. Mais c'est doctrine qui t'a émané de ça où tu as fait la possibilité de l'homme d'atteindre le spirituel par des moyens charnels. Et nous voyons que le problème, ça, c'est un problème qui était toujours dans l'église depuis Nimrod. Il est arrivé dans l'église. Et juste jodi a nous ka wè problème ça dans l'église. Nous ka wè des gens qui croient que par compétence charnel yo ka servi bon Dieu, yo ka des ministres de l'église, yo ka des ministres de Dieu par des moyens charnel, par des compétences humaines ou bien par compétence yal prend l'école, par capacité au lever ou bien par compétence yo gen yo fait avec et puis yo croient que yo ka servi bon Dieu avec compétence ça. Nous dit que c'est faux parce que servir Dieu, c'est par des outils de Dieu. Bon Dieu pas utiliser les outils Chanel dans son service. Non, il pas utiliser les outils de l'ennemi pour le faire travail. Il parce que bon Dieu qui capacité pour faire propres outils. L'aile les Moïse pour Moïse fait sacerdoce là. Il dit Moïse ou a fait sacerdoce ça selon modèle que montre sous montagne là. C'est vrai, ou te kon fait des pyramides en Égypte, ou te kon fait des grandes constructions en Égypte, des grands buildings, des gratte-ciel, ou te kon fait des grandes choses en Égypte. Mais moi-même, sacerdoce que mando pour faire, c'est pas sacerdoce qui est lié avec la compétence humaine, la capacité humaine, avec la vie humaine, mais ma bon modèle que moi-même moi veux ou à garder ce montage là, modèle que mon trou qui dans ciel là, c'est modèle ça ou pour faire sacerdoce ça. C'est que pas aucun moyen pour compétence l'homme entrer là. OK? On dit que les Nicolaïs, les Nimrodiens, c'est ça qu'ils étaient quoi. Ils étaient pensés qu'ils étaient qu'à atteindre le spirituel par des moyens charnels, atteindre le ciel par la terre, atteindre Dieu par des capacités humaines, par des capacités humaines, par la compétence de l'homme. Ok, c'est Nimrod et c'est exact. Égal avec les Nicolaïtes. Ok, si ça a clair pour vous, si ça a rentré dans notre tête ou comprendre, c'est que en nous garder pour nous, et ce qui ça, les œuvres Nicolaïtes, c'est chita. Nous, dans la réflexion biblique, ça n'a fait, nous garder à partir du livre de Romains, à partir du livre de Galates, à partir du livre d'Éphèse. Et à partir de lettre apôtre Paul écrit avec Timothée, nous garder l'église Corinthe pour nous cas établi trois bases que nous ouais qui chita sur la doctrine des Nicolaïtes. Premièrement, pas oublier et Jésus-Christ pas simplement dit doctrine Nicolaïte, il dit œuvre, les œuvres des Nicolaïtes.
Ça veut dire, ce n'est pas simplement une doctrine. Il te chita sur des œuvres, il t'a appliqué, il t'a agi, il t'a fonctionné comme ça même. Ça veut dire, c'était les Nicolaïtes. Premièrement, qui ça Nicolaïte? Qui ça doctrine Nicolaïte? Ou des œuvres Nicolaïtes? Premier bagage que nous avons regardé, œuvres Nicolaïtes, il te chita sur ça, nous relève licence de la chair. Sous licence de la chair. Ça veut dire, qui ça Nicolaïte quoi? Nicolaïte, tu quoi? Yo te kwè que la chair yo pa ka péché de la chair encore. C'est que les œuvres de la chair pa constitué un péché pour mon Dieu. C'est que plus que te racheté, bon Dieu te Jésus-Christ est mouri pour yo, li mouri, li crucifié la chair sur la croix. Yo même yo vin en vie, yo vin remplir ses esprits bien, yo sauvé, yo dit salut ça, yo sauve, salut ça yo gen jodi a, la chair, les œuvres de la chair, li pa ka empêcher ou sauver. Les œuvres de la chair pa ka terni et salut ça. Les œuvres de la chair pa ka sale ou blanc ça que cet esprit mette sou yo à partir de la nouvelle de la régénération de la nouvelle naissance là. Avait dit yo te d'accord pour te vivre dans sa ou la sexualité parce que et coucher à fille et fornication pas péché, fornication pas péché et adultère pas péché. Yo te dit que et on sait de zak la chair mensonge hypocrisie bagaille ça ou pas café ou pas sauver encore parce que Jésus-Christ est mort pour ça. Les Jésus-Christ est mort pour ça, il mort pour te pardonner yo pardonner. Et pardon ça li éternel, pardon ça pas effacé, péché yo vinn fait pas qu'à éliminer pardon ça, pas qu'à mener dans l'enfer, et comme si yo dit que yo gon licence pour faire ça ou vli. Ça c'était premier base Zev Nicolaïte. La ça relait le licence de vivre selon la chair, le licence de pratiquer les œuvres de la chair. OK? Apôtre Paul li c'est une dans monde qui était confronté ensemble avec Zev Nicolaïte en premier. Et l'elle a quitté Éphèse, li te mette l'idée Éphèse au courant de Zev Nicolaïte. Li te mette Éphèse au courant de ça. Li te fait comprendre que c'est un bagage qui pral arriver. Li fait comprendre son bagage qui pral fait, qui pral passer. Li di yo, après mon départ, pral gen des lou ravisseur k ap vin nan mitan nou ki pa pe pale e bwe bi yo, ki pral enseigner yon lot l'évangile de, et puis pral fonctionner avec des œuvres pernicieuses ki pa bezwen konnen k ap fonctionner jan ou vle. OK, k ap viv selon la chair, ki sou des esclaves de la chair, et puis yo metan l'esprit yo, yo gen licence pou péché, yo pense yo ka fè sa ou vle. Nan Romains chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, apôtre Paul li condamné les œuvres de Nicolaïte. Parce que Nicolaïte, tu pensais que, en pile fois, yo ka bay menti. Yo ka fait des actions Chanel pour ka confirmer l'évangile. Apôtre Paul li expliquait que c'est faux. OK? Apôtre Paul expliquait que c'est faux. Apôtre Paul dit, et monsieur yo li di pa metan l'esprit nou mwen bay menti et puis menti m bay la li ka justifier les œuvres de Dieu. Ou bien il dit même si m ta agi dans le péché, est-ce que agi dans le péché m'a pas agi dans péché a, est-ce que li ka bloquer les œuvres de Dieu, li ka terni puissance Saint-Esprit a pour l'agir, ou bien qui ça est-ce que la chair ka bloquer, est-ce les œuvres de la chair pas ka aider dans l'évangile là? On sait de monde qui t'a pensé ni ça. Apôtre Paul dit non. Apôtre Paul dit m'a condamné même j'ai n'importe moi. Il dit nous pas capable à vivre selon la chair et puis pour nous mettre dans l'esprit nous qu'à accomplir les œuvres de Dieu. Dit pas la peuple Galate, elle dit peuple Galate là depuis le chapitre 1 chapitre 2, il dit peuple Galate comme ça, nous commencer par l'esprit et nous voulons finir par la chair. Ça terrible. Ça veut dire nous croire que nous pas besoin cet esprit, la chair capable. OK, ça c'est deuxième branche, nous pral parler tout à l'heure, oui, mais premier branche là c'est nèg Nicolaïte, ce sont des pécheurs qui ont été. Yo pas gagne problème pour vivre dans fornication et puis au pasteur.
Vous comprenez? Il y a pas un problème pour gagner 2-3 femmes pour non y plomber dans toute femme qui gagne dans zone là et puis il y a ses responsables l'église. Il y a pas un problème. OK, pour eux, ce sont des grands menteurs, des menteurs bay menti et puis c'est diacre. Il y a placé, il y a ce diacre. Vous comprenez? Il y a pas un problème pour voler lougaou, pour c'est des magiciens, il y a pas un problème pour c'est OK, ça ne déca dit ou osicrucien ou bien pour c'est des nèg qui des maçons loges et puis yo pasteur yo diacre évangéliste tout monde connaît yo gen des madame tout monde connaît yo rema trois femmes tout monde connaît zevio tout monde connaît ça a fait mais yo pas gen problème pour responsable pas gen problème pour micro dans yo pour prêcher parce que yo met dans tête yo péché pas ka faire ou pas sauver et c'est ça apôtre Paul te gagné dans l'église Galate là et puis il écrit dans Galate chapitre Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, côté apôtre Paul, il a condamné les œuvres de la chair. Il dit si n'a marché par l'esprit, nous pas capable n'a marché par l'esprit et puis n'a vivre selon la chair, n'a pas accompli les œuvres de la chair, n'a mené tête nous par des actions charnelles. Il dit nous pas capable nous remplir de ces esprits et puis nous égoïstes, pendant nous remplir de ces esprits, nous fornicateurs. Pendant nous remplir de cet esprit, nous adultères. Pendant nous remplir de cet esprit, nous orgueilleux. Pendant nous remplir de cet esprit, nous yon raillons l'autre. Pendant nous remplir de cet esprit, nous vivons. C'est nous toutes vieilles bagailles sales que païens vivent. Et puis nous disons que nous sommes chrétiens à sauver. Apôtre Paul lui explique dans Galates chapitre 5, depuis dans verset 20, verset 21-22, li di moun kap viv kon sa pap entre même nan royaume ciel la. Parce que c'est ça Nicolas yo te kwè. Yo kwè même si yo volè, yo kwè même si yo adultè, yo kwè même si yo mentè, yo kwè même si yo ray frè yo, yo kwè même si yo nan tripota, yo nan hypocrisie, yo nan calomnie, yo kwè même si yo cupide, yo kwè même si y ap viv mal, même si y ap viv sal, même si y ap viv nan saleté, yo kwè que péché pas café ou pas sauvé. Apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, il dit que moun kap viv nan bagay sa yo pa gen kenk l'autre côté ou pralé ki nan l'enfer. OK? Ça c'était premier branche dans zèb Nicolaïte. Qui sont apprendre là? Ou apprendre que si ou viv nan péché, si ou viv nan saleté, ou pa ka servi bon Dieu pendant ou viv nan saleté. Parce que Dieu elle est un Dieu de sainteté. Est un Dieu saint. Li croit dans la sanctification. Bon Dieu croit dans la justice. De la justice. Li croit dans monde qui a opposé à péché. Li croit dans monde qui a vivre dans la pureté. C'est comme ça bon Dieu croit. Parce que li croit que sont rempli de cet esprit ou pas qu'à pendant ou rempli de cet esprit là et puis ou vivre dans la chair, ou fonctionner dans péché. Li croit que sont dans sorcellerie ou pas qu'à servir bon Dieu. Li kwè que si ou maçon loge ou pa kap servi bon Dieu. Li kwè sou son hypocrite ou pa kap servi bon Dieu. Li kwè sou son traite ou pa kap servi bon Dieu. Li kwè sou mêlé nan fè moun ou nan tripotay ou pa kap servi bon Dieu. Li kwè si ou orgueilleux, sou adultère, sou fornicateur, ap kouche aménage son pa mari ou nan carré son nan ou bien ou nan l'autre femme nan la ou gen des femmes ou gen plusieurs femmes sur Facebook, plusieurs femmes sur WhatsApp. Li kwa ke ne pou ap viv nan saleté ou pa ka servil ou pa kap servil. C'est menti ou ap trompé tête ou pa ap servi bon Dieu pou pral nan l'enfer sou pa changer. Mais Nicolas Itieu c'est premier parti ça ou te kwè. Mon deuxième branche n'a prend rapide parce que nous pa vle vidéo sa long même. Qui c'est deuxième branche dans San Nicolas yitiote kwè. Deuxième San Nicolas yitiote kwè c'est ça relé la haine de la chair. C'est deuxième partie dans mon Nicolas yitiote parce qu'on premier branche dans Nicolas qui kwè ou ka fait ça ou vle parce que la chair pas ka empêcher ou sauver ou bien et péché pas ka mener ou dans l'enfer. Deuxième branche Nicolas deuxième partie deuxième groupe Nicolas yitiote yo même yo te rayi la chair. Il pas de vouloir la chair même. OK? Nous ça dans la parole de Dieu. OK? Nous ça dans Colossiens chapitre 2 verset 18 à 23. OK? Chapitre 2 verset 18 à 23 à propos pour la parler. Il dit que une série de nèg qui a bien une série de principes ne touche pas, ne goûte pas. Vous comprenez?
ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. Il dit que ce sont des principes très pernicieux. Il dit l'homme garde ça mais Dieu a dit comme si il y a pas l'autre façon pour maîtriser la chair qui t'a un bon bagage mais pourtant qui c'est très pernicieux, qui sont bagages qui plus rentrer dans satisfaction de la chair. OK? Et c'est même dans même principe ça nèg vin avec célibat parce que Jeff Nicolas était là depuis longtemps et très longtemps et il perdurait ou après pile de graille te dit que yo pas qu'il doit marier, yo pas qu'il doit marier, yo vin avec ça relé de célibat, c'est là dans prêtre l'église catholique jeune bagaille ça, c'est même principe Nicolaitio. Prêtre l'église catholique, c'est même principe Nicolaitio appliqué. Deuxième branche dans parti Nicolaitio côté ou dit yo pas yo délivré dans péché ou pas qu'il doit, yo pas qu'il doit marier. Chrétien pas qu'il doit marier. Apôtre Paul te rencontré ensemble avec bagay ça dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3 côté là dit des nèg qui pas enseigné yo pas qu'il doit marier. 1 Timothée chapitre 4 des monde qui pas enseigné et puis ga monde marié. Apôtre Paul te condamné principe ça, il condamné, il dit ces bagay c'est un serment dans Satan, il dit son serment qui sorti dans diable. OK, voilà tes gon branche dans Nicolas, tu te quoi ça, tu quoi l'évangile ça, qui croit l'évangile côté moun pa ki doit marier, qui croit dans l'évangile célibat, qui croit dans l'évangile dans sens côté yo rayi la chair, côté yo fait la chair passer misé, bat la chair ba la chair coup, nèg yo te kon comme te ka di ça, yo kon manipuler la chair ou bien yo te kon comme te ka di, yo bat ko yo, des nèg ki pou gros roche monter gros tête moun côté pour faire la chair souffrir. Chanelment, attention, c'est chanelment, y a bat pour utiliser des principes chanel pour condamner la chair, ok, pour faire la chair souffrir, pour te gouroche mouté tête monde, ou bien bat tête yo, faire la chair passer misère, comprenez, tant qu'on inflige yo des blessures, jusqu'où y a des bagages ça dans l'église catholique, qui croit dans ça, qui croit dans pèlerinage, côté, y a fait pèlerinage, marcher de longtemps, et puis quand on côté pour y a bat tête yo, gros coup de goise, parce que vous péché, parce que la chair a fait bagaille qui sale, il a battu tête you. Mais pourtant apôtre Paul relie ça satisfaction de la chair. OK? Écoutez, il dit que ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, ça veut dire pas faire bagaille ça, même pas rentrer dans logique mariage, logique puis gano marié dit tout, c'est même principe. Je dis à nous un principe, une doctrine comme ça dans l'église qui c'est doctrine disciple, les disciples. Yon doctrine, yon sec qui relè konsa, les disciples qui a fait même bagay sa. OK? Qui a pas appliqué même principe doctrine Nicolaïte sa. OK? Ça c'est deuxième branche nan domaine Nicolaïte. C'est tout ça nous a dit de deuxième branche sa. Côté la parole de Dieu opposé avec Nicolaïte a pas péché moun marié et il t'a pas péché moun marié dit de pour faire sexe ou dans péché de pour faire sexe avec madame ou dans péché de ou pas qu'il doit marier même pour pas rentrer dans sexe pour pas faire bagarre ça dit tout parce que bagarre ça lui mener dans péché c'est faux dit faux et archi faux le marié ou gain droit pour coucher à madame ou pour coucher à mari ou gain droit pour faire sexe à mari ou pour faire sexe à madame pour procréer pour faire petite dans quantité temps ou veler le jon veler façon veler à madame pas aucun péché là-dedans. Nicolas était venu avec conseil de doctrine, conseil d'enseignement qui t'a confié peuple bon Dieu, qui t'a dévié l'esprit peuple bon Dieu pour faire obéir avec des principes Chanel pour faire tête pour faire pour maintenant pour faire utiliser des moyens Chanel, OK, pour condamner la chair. La chair ne peut pas être condamnée par des moyens Chanel. La chair, son seul moyen que les cas souffrir, c'est la croix de Christ. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, c'est que Dieu n'est pas fixé sur la chair, Dieu est fixé sur Christ. Ou la croix de Christ a fait travail là. La croix de Christ lui a kembé la chair, ok, et sous contrôle. C'est une raison fait apôtre Paul, il parlait dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit nous portons dans notre corps la mort de Christ. Il dit chaque jour nous livrer la chair à la mort. Chaque jour nous livrer la chair à la mort. Il dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il expliquait ça dans Philippiens chapitre 3, il dit que il rend irrécommandable, il d'accord pour lui
mettre appliquer dans la vie la mort de Christ pour parvenir s'il est capable à la résurrection des morts. OK, c'est apôtre Paul a parlé de ça relais comme de dire ça accepter volontairement la mort de la croix comme ta propre mort et puis ça qu'a permettre que puisque la chair est crucifiée ou qu'embile dans cette crucifixion, OK, qu'on y a là ou qu'a ressuscité ensemble avec Jésus-Christ ou qu'a servi comme des gens ressuscités. Ça m'a dit là, il y a d'autres vidéos que nous fait qui qu'a expliqué ça m'a dit là. Mais n'a parlé des œuvres de Nicolaïte. Nicolas, il te gagne deux principes ça, mais le troisième principe Nicolas il te gagne. Troisième principe là, c'est penser que au capable servir bon Dieu par des capacités humaines. Par des compétences humaines. Par des compétences de la chair, même gens avec Nimrod. Il te veut appliquer les principes de Nimrod à l'église. Et ça était très grave et c'est le troisième branche ça qui est terrible. OK, premier branche terrible, deuxième branche terrible, mais troisième branche terrible en pile tout. Côté pour nèg quoi qu'a servi bon Dieu parce qu'on a une compétence. On passe au tal l'école et pour pas paquet de compétence et pour dire ou ka on leader à cause ou une compétence ça. Non. Qu'est-ce ça nèg fait? Nèg utiliser des briques que ou fait par des moyens terrestres, par des moyens et de terre. Yo utilise le terre là, yo boule le dans dife, yo mette on l'autre bagarre là dans pour servir ciment pour faire des briques et puis yo met dans tête yo brique ça yo ka bricoler yo mette une sous l'autre pour arriver dans ciel. Eh bien, yon a qui sont l'école théologie qui mettent dans l'esprit parce que sont dans l'école théologie tu étudier théologie systématique ou tu étudier et oratoire ou tu étudier et qu'on décade ça et théologie chrétienne ou gon gros connaissance dans ça ou les et ministère pastoral et administration de l'église et vous mettez en tête parce qu'on étudie ça ou qu'a venir servir l'église ou qu'a venir servir peuple bon Dieu à nous dire où sont briques ou sont briques parce que la chair pas qu'à servir bon Dieu. C'est seul homme spirituel qui sortit de la croix de Christ, qui sortit de la résurrection de Christ par la mort que tu as appliqué dans vie, c'est monde ça, cet esprit enrôlé pour servir bon Dieu. Bon Dieu, dans l'église, Saint-Esprit parle chercher des hommes qui sont capables. Il chercher des hommes qui sont incapables et puis lui-même les rendre capables. Il n'est pas enregistré ou bien il n'est pas, comme de cas de ça, recruter des hommes qualifiés. Non. Tout le monde Saint-Esprit recruter, c'est le monde qui n'est pas qualifié. C'est lui-même qui est qualifié. C'est que à tout, moi fini l'école, moi fais philo, moi passé dans l'université, moi étudié moi étudier sciences développement démographie géographie moi vinn l'église connaissance ça moi gagne dans gestion projet dans administration dans planification pas qu'à servir l'église parce que c'est des connaissances humaines il pas qu'à servir l'église c'est premier bagage pour comprendre moi pas qu'à servir l'église parce que nous sommes intellectuels parce que nous sommes philosophes ou bien parce que nous sommes professionnels et puis vinn l'église maintenant l'esprit l'église qu'a joindre utile pour servir non moi qu'a servir de des choses sociales même pas qu'a servir de des choses spirituelles. OK, c'est que et pas parce que étudier théologie moi pas qu'a pasteur pour ça on grand qu'a étudier théologie tout moi même m'étudier théologie mais théologie que m'étudier pas qu'a faire on serviteur bon Dieu non. La théologie par enseignant pour serviteur bon Dieu. La théologie bon connaissance générale de la Bible, il faut capable pour faire administration, il faut capable bon connaissance de théologie systématique pour classer bagaille dans sens yo, mais pas qu'a faire un homme de Dieu. Ou qu'a fini de théologie son gros théologien, mon son menteur, ou son théologien, mon son plaçado, ou son théologien, mon son fornicateur, ou son théologien, mon gué trois femmes, trois quatre femmes. Ou son théologien vrai, mais pas gué volé passé ou. Ou son théologien vrai, pas gué mettre dame passé ou, son raquité. M'ta faut comprendre ça, faut comprendre l'évangile ça. Parce que la chair pas qu'a servi bon Dieu. La chair pas qu'a utile l'église. C'est seul homme crucifié né, qui passait de la croix de la par la croix de Christ qui ca utile à l'église. Mon ne doit pas qu'on lit mais Saint-Esprit rend ni utile à l'église. Les doit philosophe, les doit son gros professionnel mais l'arrivé l'église qui était professionnel lié pour la calil qui était professionnel lié pour industriel mais l'arrivé l'église, il doit enrôler par le Saint-Esprit pour le servir bon Dieu parce que les choses spirituelles se font par l'esprit. Eh bien les Nicolas te quoi
yo te ka utilize les compétences humaines au service de Dieu. Nè ga di, puisque mwen kapab metem, puisque mwen te à l'école metem, puisque mwen te, comme te ka di sa, mwen te pren formation metem. Non. L'homme pa ka servi mon Dieu. La chair pa ka utile à l'église. La compétence humaine pa ka utile dans le service de Dieu. OK? C'est vrai on est maçon l'église l'a construit, nèg la son maçon li ou li nèg la ou ba nèg la. OK, monter bloc yo. C'est vrai l'église l'a construit ou gen moun dans l'église la ki gen kayou pa fait et puis l'église a décidé faire kay pour moun et puis yore yon nèg ki l'église la ki c'est un ingénieur et puis demander le service pour lui faire plan pour le foncer du bagage pour kay ça pour le mener et bagage et projet ça à exécution. Mais dans l'œuvre ministérielle de l'église, dans l'œuvre de servir Dieu, dans l'œuvre de leader l'église, n'est qu'à prendre micro pour Saint-Esprit à utiliser pour faire travail bon Dieu, n'est ça ou pas capable là-dedans. Si vous passez par la croix, si vous passez par la croix, au lieu orgueil, vous humble. Au lieu vantard, vous soumettre. Au lieu rebelle, vous obéissant. Parce que vous passez par la croix, laissez ça, Saint-Esprit, qu'a utilisé pour l'œuvre de Dieu. OK? Mais Nicolas, ou te quoi? Yo ka servi bon Dieu par la chair. Nicolas, ou te quoi? Yo ka servi bon Dieu par des moyens charnels. Nicolas, ou te quoi? Yo te ka servi bon Dieu par des moyens humains. Nicolas, ou te quoi? Yo te ka servi bon Dieu, OK, atteindre le ciel par la chair. Nèg Chanel, yo gen 4-5 femmes mais yo ka servi l'église. Yo konnen diak la gen des madame mais toujours diak l'église là. Yo konnen nèg la gen 2-3 femmes mais toujours responsable apôtre Paul par la Timothée, li di moun wap mete a fòl gen bon témoignage, fòl gen sèl madame. Il fò gen bon témoignage devant moun pou ki responsable là. Mais les Nicolaïtes, yo te kwè ke yo ka viv nan péché, la chair péché pa ka mené dans l'enfer. M'ap dou ça clair jodi. Premier parti Nicolaïte là qui croit que li ka vive dans péché Jean le vle pendant l'idée pendant le responsable ou bien ka servi bon Dieu pendant la vie dans bagay sale. Apôtre Paul dit moun ka vive dans bagay sale pral dans l'enfer. Li dit ça dans Galates chapitre 5 verset 20 21. Li dit ça dans 1 Corinthiens dit ça dans 1 Corinthiens chapitre dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Il dit pas qu'une relation il m'y a fait noir. Il dit ça dans Romains chapitre 1er. OK? Il dit ça encore dans Éphésiens chapitre 1er. Chapitre 2, il dit nous racheter bon Dieu racheter nous dans monde nous pas qu'à vivre selon le train de ce monde. Nous pas qu'à mener tête nous même jamais avec monde qui vivre dans monde là. Il dit ça encore dans même Éphésiens chapitre 4 là. Dans verset 10, 11, 12, okay, 13, 14, il dit ça. En quoi? Il dit nous pas cap vivre même avec mon cap vivre dans le monde. Yo. OK, païen yo sans intelligence. Païen yo pas comprendre rien juste en verset 17, païen yo pas comprendre rien, yo gen l'esprit bouché. Nous même nous pas cap vivre même avec. Il dit voici ce que je dis, ce que je déclare de le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur la vanité de l'esprit. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur, de l'ignorance qui est en eux. Ils n'ont pas compte mon Dieu. Nous pas qu'à vivre même j'avais. Je dis à qui ça nous est l'église. Nous est tête nègre à l'église, mais tête n'est pas chrétien. Mais pourtant, c'est le cap de musique là. Mais tête n'est pas chrétien. Ou est tête même j'avais tête monde qui dans le monde. Je dis à moi nègre qui Dieu qui pasteur. Moi nèg ki gen zan nou nan zore yo pasteur nèg ki met zan nou nan ne yo nan langue et puis ki sou chè k ap fè tout activité même j'a fam tout et bible ou pense yo pali yo li bible yo wè sak nan bible mais ça pa gade yo avec sa nan parole bon Dieu parce que yo même ki s'ap suiv c'est Nicolas ap suiv c'est y ap suiv même doctrine Nicolaïte là côté nèg la kwè que bon Dieu pa besoin kòl c'est kèl li besoin ou bon c'est que nèg la ka fè kòl sa vle li ka habillé jan vle fòm nan kòl ka habillé jan vle li kòl ka fè li ka mit rad sou li kòl ka habillé ensemble avec
bijoux qu'il voulait, li ka fait maquillage j'en voulait et puis li ka kembe micro, li ka vin sous chef avec tout fait toute activité même s'ils sont gros Jezabel. Même si nèg la son Nimrod dans l'église, même s'ils sont Nicolaïte dans l'église, mais ils sont diac, mais ils sont pasteur, mais ils gen micro nan mais les cap diriger service, ils sont leader. Eh bien, ça yo, ces œuvres Nicolaïte. Vous voyez jeune dans l'église jodia, est-ce qu'on est œuvre Nicolaïte? On maîtrise ça nous dit, on fait un résumé. Zèv Nicolaïte, là, chita sous trois branches. Première branche, là, c'est licence pour la chef et salvele pendant nèg la leader. C'est que péché pas qu'à mener nèg dans l'enfer. Il fait salvele avec col, il gen la couche à fille, il y a sexe tout côté, il y a fait toute vie bagay sale, il y a tout dérèglement. Non la cité dans tout bagay nèg la bluffel raquetel mentait l'hypocrite les raimoun vous comprenez li dans jouer toute la journée n'a parlé moun mal li kembe moun soukel li remet l'argent li dans tout bagay sale mais li c'est leader l'église parce qu'il croit que ça ou pas ka faire le pas sauver apôtre Paul dit moun k'ap fait bagay ça ou pas mettre pour pied dans ciel là ou pral dans l'enfer met ça dans crâne tête ou pas cap vivre dans péché pour observer bon Dieu tout. C'est menti ou ba tête ou tromper tête. Ou pral dans l'enfer à moins qu'on repenti, à moins qu'on quitte péché ou tourner venir jeune bon Dieu. Deuxième branche là, la haine de la chair. Bon Dieu pas mandé pour mutiler la chair et puis il pas mandé pour me pas marier. Doctrine pour me pas marier associé dans Satan. Deuxièmement, doctrine côté nèg la infligé col toute vie bagaille sale prend un gros moche met sous tête monter une tête monde pour faire la chair passer misère, ça sorti dans l'enfer. Ça sorti dans Satan. Li pas chita son rien. OK? Question pas fait sexe à madame moi si me fait ça madame moi péché ou bien si mari m'a péché, ça c'est dans l'enfer, c'est dans Satan le sorti. Pas aucun verset biblique qui approuvé et l'enseignement de la parole de Dieu condamné. Troisième bagarre là c'est côté nous mettons dans l'esprit nous depuis nèg la saute l'école, depuis nèg la saute dans université, depuis nèg la saute dans théologie, nous courir mettre le sous chair, nous courir mettre le sous programme, nous courir bal leader l'église là, ça sorti dans Satan. C'est pour nèg la passer dans moule cet esprit. C'est pour nous connaître que nèg la gen bon témoignage. C'est pour nous connaître nèg la converti, li gen la nouvelle licence. Nèg la son nouveau né. Li gon vie nouvelle c'est pour nous sûr c'est pour nous faire sûr que moun sa n'a mette à rempli de cet esprit c'est pour nous faire sûr moun sa cet esprit relil c'est pour nous faire sûr moun sa n'a mette comme leader son moun qui crucifie la chair son moun qui humble qui soumis qui pas orgueilleux OK li ka servi dans l'église parce que cet esprit relil parce qu'il y a vocation bon Dieu fait appel à elle parce que li quitte la chair li quitte péché parce que li soumet li humble li pa kwè parce que bon gros connaissance théologique systématique li ka pasteur l'église pour ça c'est pas parce que bon gros connaissance OK et administration de l'église nous tout mettre le pasteur administratif nous tout mettre le pasteur la jeunesse nous tout mettre le responsable parce que il saute dans théologie non la théologie li c'est une science ou bien li c'est une option li c'est une formation même j'en ai t'as étudié ingénierie même j'en ai t'as étudié sans développement même j'en ai étudié astronomie c'est même j'en ai étudié la théologie li pas bonne possibilité pour venir de l'église pour ça. M pa di si bon dire lo ou a l'étude de théologie son problème son péché son bagage qui pas bon c'est pas ça m'a dit là mais on pas prendre des briques pour mettre dans l'esprit nous ca construire l'église Christ là avec des briques Chanel par des moyens de la chair nous ca atteindre le ciel ou bien nous ca atteindre le ciel par les capacités par la capacité humaine non nous pas ca faire même janibou nous pas ca vivre même janibou parce que nous connaît que pour nous servir bon Dieu faut nous passer par la croix nous connaît pour nous servir bon Dieu faut que Saint-Esprit relé nous. Nous connaît pour nous servir bon Dieu faut nous convertir vrai faut nous chrétien vrai faut nous quitter péché premièrement et puis faut nous rester dans la formation de la parole de Dieu faut nous prendre expérience et cet esprit bail à tout chrétien de l'église faut nous suivre les ministères de l'église rester dans l'église pour nous former dans la parole de Dieu et puis pour cet esprit ba nous appelle pour nous venir des leaders pour nous être responsable peuple bon Dieu nous souhaiter ça nous dire selon la doctrine des Nicolaïtes lié de comprendre message l'évangile là les deux comprendre parole bon Dieu et c'est parce que nous pas la vidéo prend une heure de temps qui fait nous camper là
mais nous avons pile bagage nous te ka dou sur doctrine Nicolaïte, comment nous wè doctrine Nicolaïte l'a évolué dans l'église, les œuvres Nicolaïte toujours dans l'église jodia. OK, nous on paquet Jack Chanel, nous on paquet pasteur qui gen plusieurs femmes, nous on paquet nèg qui dans maçon loge qui passe l'église, nous on paquet nèg qui remet l'argent prend l'église comme business, nous on paquet nèg qui pas converti vrai et puis qui c'est comme y'a défendre qui se sont OK qui ce sont des agents de Satan qui responsable l'église. Mais ce qui base yo fait comme ça les œuvres de Nicolaïte. Depuis on nèg a vive dans péché et puis il gagne micro dans mel son nèg qui dans doctrine Nicolaïte là. Depuis on nèg a fonctionné mal, a fonctionné dans saleté ou en fit tripotaille hypocrite ou est moun nan li orgueilleux et puis il gagne micro dans mel li responsable l'église li dans doctrine Nicolaïte là. C'est même genre avec prêtre, c'est même genre avec nèg qui dit qui pa pi ga moun mari yo. C'est même genre avec nèg qui dit depuis on fait sexe au péché. Depuis on fait sexe à madame yo, yo péché. C'est une doctrine Nicolaïte. C'est même j'avec mon église catholique qui a baï tête cou fait tête passer misère pour passer au penser au cap recevoir pardon bon Dieu parce que fait tête passer misère. Non, doctrine Nicolaïte. C'est même j'avec pasteur l'église avec des monde qui soutient dans théologie qui passer soutient dans théologie qui soutient dans théologie parce que soutient dans théologie ou pense au cas utile l'église ou bien passer négation génial venir chez à l'église au cas utile l'église dès qu'a prend micro pour le prêcher pour faire toute activité l'église comme un ministre de Dieu. Non, ou pas qu'un ministre de Dieu sous pas passer par la croix ou pas qu'un ministre de Dieu si cet esprit pas bail naissance avec vous. Ou pas qu'à ministre de Dieu pendant orgueilleux, ou pas qu'à ministre de Dieu pendant rancuneux, ou pas qu'à ministre de Dieu pendant son vacabon, ou pas qu'à ministre de Dieu pendant son racket, ou pas qu'à ministre de Dieu pendant qu'on fait l'église à tout nos business, ou pas capable. Les œuvres Nicolaïte sont toujours là, les Nicolaïte sont toujours là, doctrine Nicolaïte sont toujours là. Veuillez et priez pour bon Dieu revélo à chaque fois qu'on arrive pour la doctrine Nicolaïte là, pour les œuvres Nicolaïte, pour opposer avec lui. Et puis, bon Dieu, besoin plus de monde pour qui mette main, pour qui contre main, pour qui dénonce œuvres et doctrine Nicolaïte. Là, que bon Dieu leve des hommes pour enseigner l'église là, puis bien, pour que les gens qui ouvrent, pour une série de nègres qui pas chita son rien, qui pas servir bon Dieu vrai, sauter dans le temps. Au nom de Jésus. Pas oublier, partager vidéo ça avec l'autre monde, partager vidéo ça à amis ou à famille, que bon Dieu va bénir. Amen.